Il est des moments particulièrement agréables dans la vie d'un secrétaire général d'un syndicat de policiers et la traditionnelle cérémonie de vœux de notre organisation est l'un de ces moments. En effet, réunis dans ce lieu magique et chargé d'histoire, mais aussi de petites histoires de la vie quotidienne, qui est le paradis latin, j'ai le grand honneur et le privilège de recevoir chaque année des militants d'Alliance, mais aussi des amis de la police nationale. Merci pour votre présence. Tant, monsieur le ministre, vous avez devant vous la seule organisation professionnelle constituée, regroupant tous les niveaux hiérarchiques et tous les métiers. En effet, au sein de la CFE-CGC se retrouvent aujourd'hui des actifs et des administratifs, agents de la police et des préfectures, mais aussi des ASP, des adjoints de sécurité, des gardiens dégradés, des officiers, des commissaires et tous les grades des corps administratifs de l'intérieur. Nombreuses sont les confédérations qui en rêvaient. Nous, la CFE-CGC, l'avons fait. Notre cérémonie des vœux est l'occasion de faire une rapide synthèse des événements marquants de l'année écoulée et d'ouvrir quelques pistes de réflexion pour la nouvelle. 2013 fut vécu par les gradés et gardiens de la paix comme l'année de la stigmatisation injuste et de la baisse historique du pouvoir d'achat. Nous l'avons dit et nous l'avons régulièrement écrit. La mise en place d'un matricule en lieu et place du récépissé que vous avez su faire écarter, monsieur le ministre, je le reconnais. Et la mise en œuvre d'une plateforme IGPN de délation contre les policiers ont été des éléments déstabilisants pour nos collègues sur le terrain. Une preuve de défiance de l'État envers ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, sont présents 24 heures sur 24 sur la voie publique au service des autres. Ces réformes inutiles et coûteuses sont mal vécues par nos collègues. C'est pour cela que lors de nos vœux l'an dernier, nous avions tiré préventivement la sonnette d'alarme. C'est aussi pour dénoncer cette stigmatisation ressentie par notre base que nous avons voté dès le mois de mars 2013 contre le code de déontologie qui gravait dans le marbre le port du RIO et interdisait le tutoiement sans prendre en compte la réalité des situations de voie publique. Seuls contre tous à ce moment-là, nous étions rejoints par l'ensemble des organisations syndicales en décembre 2013. Le vote contre était devenu unanime à la lumière de l'expression du terrain. Nous avions sans doute compris plus vite que certains. Aujourd'hui comme hier, ce n'est pour nous certainement pas le moyen adéquat pour rapprocher la police de la population. Mais au fond, la population honnête de ce pays est-elle si éloignée de sa police? Pour ma part, je ne le crois pas. De récents sondages démontrent le contraire. Mais peut-être nos concitoyens souhaitent-ils une police plus soutenue et plus suivie par notre justice. Un deuxième sujet douloureux pour Alliance et pour tous les gradés et gardiens a été celui de la baisse historique du pouvoir d'achat. Ainsi, une décision inique de Bercy a provoqué une levée de boucliers chez les policiers. À juste raison, nous nous sommes indignés de la baisse de l'ISSP pour une partie des policiers, les élèves. Les policiers les plus mal payés pour notre corps allaient subir une perte de leur traitement de près de 200 euros par mois. Mais au-delà de ces questions liées au budget et au contrôle irraisonné de l'activité policière, nous avons œuvré sans relâche auprès de votre administration pour dénoncer les atteintes graves portées aux droits des agents au quotidien. Laissez-moi vous dire, chers collègues, que je suis très fier du travail que vous avez accompli en 2013. Car ce travail d'opposition à ce qui nous paraît injuste, mauvais, inutile ou trop coûteux, il convient que nous le fassions car c'est l'objet même de notre engagement syndical. Mais si nous avons fait beaucoup en 2013, nous allons devoir faire encore davantage en 2014. L'année 2014 a déjà commencé et nous sommes encore au travail. Le récent rapport de l'IGA nous conduit une nouvelle fois à réagir défavorablement. Ce document, qui préconise de revenir sur la protection fonctionnelle des policiers lorsque ceux-ci sont victimes d'outrages ou d'injures, est un premier sujet d'inquiétude légitime pour notre organisation. Un autre sujet de préoccupation est celui de la réforme pénale en préparation. Les gens se demandent parfois ce que fait la police. Mais ils se demandent souvent ce que fait la justice, et cela me paraît légitime.
Nous serons très vigilants sur ces textes qui viendront bientôt en discussion, car comment demander à la police de faire son travail avec des effectifs et des moyens contraints si les magistrats du siège en particulier, chargés de protéger la société, demeurent sourds et aveugles aux attentes des policiers, mais surtout de la population. Bonne année. Donc ma réaction sur les vœux, Jean-Claude toujours très pertinent quant à l'avenir professionnel de nos jeunes, sur les ADS aussi bien que sur la formation, mais aussi sur l'ensemble des collègues, que ce soit sur le port du RIO ou sur le code de déontologie ou d'autres thèmes tels que le report de repos ou d'autres sujets. Quant au ministre, on l'attendait sur différents sujets. Bon, il a fait preuve d'humour, comme toujours, mais bon. Ça ne répond pas forcément, pour le coup, à l'attente des fonctionnaires de police dans son ensemble. Qu'on nous considère actuellement comme un syndicat contestataire, c'est véritablement très bien. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec des syndicats adverses, le port du Rio, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, comme on l'a précisé tout à l'heure, comme notre ministre nous l'a précisé, nous sommes une des polices les plus contrôlées, je dirais, dans le monde. Et très sincèrement, ce numéro de Rio, c'était plus pour rassurer une certaine souche de politique et de la population, alors que véritablement, on sait très bien que tel policier, à tel endroit, à telle heure, s'il y a effectivement des exactions, elles seront d'une façon ou d'une autre punies. Donc cette plateforme IGS, pour moi, c'est une ouverture à tout et à n'importe quoi, et très sincèrement, ce n'était pas nécessaire. Les collègues, pour résumer, ils en ont marre qu'on les infantilise. Et ils parlaient de confiance. 73%, ils disaient, des Français font confiance à la police. Sauf que les collègues, ils en ont conscience. Par contre, ils ont vraiment le sentiment que notre propre administration ne nous fait pas confiance. Alors, vœux pour 2014, que les peines soient vraiment... qu'elles soient appliquées. Et effectivement, ils parlent de confiance, ça pourrait redonner la confiance et à la population et aux policiers. Parce qu'on nous parle toujours des délinquants, des pauvres délinquants, mais on ne parle jamais assez des victimes. Parce que le policier, lui, malheureusement, il a l'habitude, il continuera à faire son travail. Mais les victimes, on n'en parle pas assez souvent. Pour conclure, je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de bonheur pour 2014. Je souhaite à Alliance la réussite la plus grande en décembre 2014. Et je vous souhaite, Monsieur le Ministre, tous mes vœux de santé, joie et surtout réussite.